Et salut tout le monde, c'est Jay-Z en compagnie de Charty. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7. C'est ce que j'allais dire. L'épisode 7 de Yu-Gi-Oh! World Championships 2011, c'est la même chose. Est-ce que tu pourrais me mettre ton chrono en attendant? Oui, je te le mets. En attendant, moi je me remets dans le game. Enfin, je te mets dans le game en attendant. J'ai mal aux oreilles. Ça filme bien là. Ça record, c'est parfait. Je ne sais pas où nous devons aller. Dans ton cul. Alors. Peut-être là. Peut-être là. Et peut-être pas là. Là, c'est Jason. Je crois que c'est à lui de parler. C'est à lui qu'il faut parler. Bon, on t'attend. Mais ta gueule. Voilà. Tout est rétabli. Je suis cassé la gueule. Du coup, bon. Parlons à lui. À lui. À l'huile. Parlez. Tu vois le bowling là-bas, autrefois c'était l'endroit le plus animé de la ville, tu sais. Cool ta vie. Complètement en fait. Oui, au pire. Ouais. Ouais, je ne t'ai jamais vu par ici. Tu cherches quelque chose? Quelqu'un t'a demandé d'acheter des éléments de duel moto? Eh bien, je connais un endroit. Suis-moi. Tu connais? Non. Je sais pas c'est qui, jamais vu. C'est une racaille en fait. Voici le magasin. Racaille. Ouais, je crois qu'il va nous faire quelque chose. Voici le magasin. Ils vendent plein de choses différentes et tout est de haute qualité. Je crois qu'il va nous voler ou un truc comme ça. Ah, peut-être. Aucune idée. Dis-leur que tu viens de la part de Gordon. Ils s'occuperont bien de toi. À mon avis, c'est Gordon. Oui, Gordon, bah, c'est pareil. Wow. Oui, tu veux quelque chose? Oh, tu viens de la part de Gordon. Gordon. Bienvenue, qu'est-ce que tu recherches? Tu as montré mes mots, voilà. Ça, attends 2 minutes. Ça doit être par ici. Voilà. Tu as reçu pièces demandées par Toru. C'est cool. Tu as donné argent pour les pièces. Merde. Si tu as besoin d'autre chose, reviens quand tu veux, je te ferai une petite ristourne. Je crois qu'il va se passer un truc, je crois pas que c'était le bon truc en fait. Bouya Kacha. Ah c'est là. T'as le plan qui s'affiche. Ouais, je sais. Cours-lui après. Les éléments que tu viens d'acheter, ils se sont envolés. C'est sans doute le type de tout à l'heure qui les a volés. Pars à sa poursuite. Wow. Je suis très rapide. Je suis une machine. Attends, faut leur parler aux gens, je crois. Parce qu'ils savent où il est passé, en fait. Quel paquet acheter? Je devrais peut-être économiser un peu. Mais donne-moi où tu l'as vu, connard. Gamin. J'ai pas envie de rentrer. On sait jamais, il y a peut-être des fantômes. De toute façon, je connais le coin. Ah, ça c'est la racaille de la dernière fois. Hey, que fait... Ah non, c'est pas là. Hey, que faites-vous là? Ça vous dérange pas de rentrer dans une maison comme ça sans permission? Duel, c'est ça? Hein? Un type avec une coupe au bol, des moustaches emballées et une chemise rose? Non, je l'ai pas vu. Arrêtez de m'accuser pour des choses aussi stupides, allez-vous-en. Si vous ne partez pas, je vais devoir vous dégager par la manière forte alors. Ah oui, carrément. Il ramène sa clique. Allez, il y a mieux comme excuse quand même. C'est Crow. Ah non, c'est Yusei et Kalin Kessler. Kalin Kessler, mon personnage préféré. Enfin, peu importe. Cette zone est contrôlée par nous, les exécuteurs. C'est ça. Plus important. Non, faut une voix pour Yusei. Tu veux la faire? Ah, je sais pas. Plus important, on ne peut pas laisser une crapule comme lui faire ce qu'elle veut. Je me rappelle plus de la voix en fait de Yusei. Ouais, moi non plus.
Au pire, on s'en fiche. Hein ? Qui êtes-vous ? On vient tout juste de se présenter. Nous sommes les exécuteurs. En plus d'être mauvais, vous êtes idiots. Non, ça c'est Jack Atlas. Et tu connais tout le monde. Bah oui, c'est... Homme lourdeau. Quoi ? C'est quoi ces exocotareurs ? Ouais... Vous n'avez jamais entendu parler de nous ? Eh bien, on va vous montrer qui on est alors. Et toi ? Tu étais à la poursuite du type qui s'est entré. Mauvaise traduction. Qui est entré, non ? Continue ton chemin, on s'occupe d'ici. Attends. Une petite sauvegarde s'impose. Voilà. Une pause s'impose. Donc c'est l'appartement de gauche, je crois, mais je suis pas sûr, je suis sûr de rien de toute façon. J'écoute même pas. Ah bah oui. Boum! Ah, je suis trop fort. Mais va à gauche, ah bon. Ouais. Il doit y avoir quelque chose. Ouais. Obligé. Y'a rien du tout. Clique sur les machins. Des fois, il y a des trucs cachés. Dans le coin ou un truc comme ça. Et sur la fenêtre, va voir sur les carreaux. Des fois, c'est sur les carreaux qu'il y a des trucs. Sur les carreaux, c'est bizarre ça. Ouais, non. Il y a encore un autre truc à gauche ou pas ? Non, il y a rien du tout. Mais... Ah non, il y a rien. Go go Power Rangers. Ok, pète un câble. Il pète un câble. Il ne me voit pas. Popom. Arg, qu'est-ce qu'il faisait? J'imagine que tu es venu pour récupérer tes éléments, c'est ça? Tu sais, dans cette ville, ce sont les victimes qui sont à blâmer. Prends ça comme une leçon. Ou alors tu veux m'affronter en duel et regagner ces pièces. Duel. Ok, tu es prêt? S'il est moche. Et moi aussi, c'est pas ma faute. Gotham. Gotham City, c'est la ville de Batman en plus. Ouais, tais-toi. C'est vrai. Oui, je sais. Oh, pour une fois que t'as gagné. Pour une fois que t'as... Non, mais une autre, tu vas faire. Ah, désolé. Pour une fois qu'il gagne, il met deuxième, alors qu'à chaque fois qu'il perd... Je déteste jouer premier, moi, en fait. Je préfère attaquer en premier, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'on avait mis Jinzo dans notre deck. Ouais. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Attends, j'essaie... Alors, lorsque cette carte est invoquée... Je lisais la tienne, en fait. Lorsque cette carte est en position d'attaque face recto et changer en position de défense, détruisez cette carte et piochez une carte. C'est nul. Ça va pas le faire. Alors c'est parti. Top chrono. Tout. Non, tu peux activer fissure. Voilà. Et tu peux invoquer la 1900. Ok. Pas tard. Ah, c'est marrant, hein. T'as pas d'autre effet dans la main, regarde. Si t'as pas d'autre effet à faire dans la main. Mais j'ai rien, regarde, je suis un clochard. Voilà, ouais, c'est bon. Finish. Jamais, faut vérifier tout ça. Non, finish. Non, c'est toi. Ok. Une 1700, ok. Barrière de glace, face recto, ouais. On s'en fout, ouais. Bah quand même pas. Oui mais là on perd 1700 mais bon. Hein, mais c'est bon. Que les apparences, c'est pas la vérité en fait. Ouais. Ce n'est que apparence. Mets le koala en position de défense. Je te conseille de faire ouais. ça. Ouais. Comme ça ils vont perdre. Et comme ça t'invoques Jinzo après. Merde. T'es en retard. Eh oui, je suis toujours en retard. Mais c'est bon, j'ai calculé à peu près. Ouais. Grosse merde, va. J'ai trouvé mon arcade. Non. Bon, allez. Ça va faire 1200 dégâts.
Ça va rien faire du tout. C'est cool. Ouais, du coup, il va te détruire. C'est con. Ça a quand même activé l'effet flip normalement. Oui, ça va l'activer, oui. Du coup, 1200 dégâts quand même. Ça va. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a une 2000. Oui. Mais ce qui est cool, c'est que si t'invoques Cerise Naturia après, tu pourras quand même invoquer Jin 2 par la suite. Ouais. Et là... Ah bah non, c'est bon, active. Ouais, invoque lui et active la carte magique. Je sais. Un monstre de niveau 3 depuis votre main. Que j'active ça. Oh. Oui. Oh. Tu peux invoquer le monstre synchro. Dépêche-toi. C'est à 36. Et il y a combien? 5. Tu peux invoquer un synchro. Waouh. Mais fais battle phase d'abord. Ah ouais, pour après. Oui, mais dépêche-toi. Wow. Vas-y. Non. C'est un moment stressant là, tu vois. 24, 25, c'est à 36 je crois. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Normalement. Après j'ai peut-être fail, mais bon, c'est bon. Mais ce qui serait intéressant après. Du coup, on est à 36. Voilà. Ah non, c'est bon, tu dois faire en phase là. Oh, en plus, elle est nulle. Clairement, j'aurais fait de la merde. Tu dois faire en phase, t'es obligé. Préviens-moi, ok? Oui, bah oui. Parce que là, t'as rien dit. Oh, mais en fait, je pensais que t'avais compris que tu l'invoquerais au tour d'après en fait. Non, mais dans tous les cas, je l'invoquerai pas. Elle est nulle. Ok, c'est 3-4. Elle est nulle. Bah, elle est moins bien que Jinzo. Alors que tu dois sacrifier deux monstres. Du coup. Ah ouais, du coup, ouais. C'est moins efficace quoi. Mais il a autant d'attaques que Jinzo, non? 2400. Jinzo aussi il a 2400. Mais il faut sacrifier qu'un seul monstre. Ah oui, oui, ok. Et je crois qu'il a un meilleur effet Jinzo aussi. Aussi, je sais plus. Je sais plus ce qu'il a comme effet, mais il a un meilleur effet. Je crois que ça annule les cartes pièges. Non, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Yu-Gi-Oh. Ouais. Allez, let's go, my friend. Je suis pas ton ami. À 36 aussi. Donc tu peux poser la carte piège et invoquer Jinzo. Ouais, les effets de toutes les cartes pièges passe recto sont annulés. Pourquoi t'as supprimé celui-là? Je préfère un synthoniseur quand même. Oh, c'est classe. Ouais, par contre, ça nous fait perdre du temps. 56, tu as jusqu'à 36. Tu prends un risque? C'est vrai. Allez. Ah, c'est bien ça. 2 minutes 12, tu es obligé de faire en phase. 2014. Je suis pas obligé. Ah oui, je suis bête. C'était jusqu'à 36. Bon, on a encore un peu du mal avec le chrono, mais ça va le faire. Toi? Oui, moi. Surtout qu'il va y avoir un petit décalage, c'est parce nul. Que j'ai un moment, j'ai oublié de faire le chrono. Avec le il y aura un petit décalage entre le chrono que vous voyez à l'écran et celui que... Mais bon, c'est pas grave, normalement, là, on fera moins que 20 minutes, donc c'est bon. Oui. Largement. Allez. Let's go. C'est le temps qu'on s'y fasse, ça. Il va quand même... Tu as jusqu'à 14, chez moi. J'ai fait de la merde. Non. Non. Et là, tu l'élimines. Et on l'a gagné. En 5 minutes, à peu près. Même pas. Enfin, oui, en 5 minutes total, mais en 2 minutes, 3 minutes de ton. En comptant tes tours, c'était que 3 minutes. On a combien de minutes de vidéo du coup? 14 minutes. Oh, c'est tranquille. Ah, c'est plus simple maintenant. Non, celui-là par contre, le jeu. Tu vois, je te l'avais dit en fait, dans mon souvenir c'était ça, au début du jeu c'était un peu galère après ça. Un homme ne revient jamais sur sa parole, je vais te les rendre. Tu as obtenu pièce demandée par Taureau. Et maintenant on le vole, on lui rendra jamais à Taureau. Que ça coûte cher. Pour le revendre. Tu peux sauvegarder, ouais. Données ont été sauvegardées. Oulala. C'est tout, faible et pathétique.
Sympa. Arg, oublie-moi par pitié. Ok. Cool. Vous avez rattrapé le type qui est... Vous avez rattrapé le type après qui était... Après qui vous étiez. Hein. Tu t'es donc fait voler tes éléments par le type qui t'avait parlé du magasin. C'est commun dans cette ville. Enfin, heureusement que tu as récupéré tes éléments. Oui. Oh, je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Yusei Fudo. Moi, c'est Kaline Kessler. Et toi ? Jay-Z, joli nom. L'autre personne qui était avec nous plus tôt, c'était Jack. Nous formons les exécuteurs, la légendaire équipe qui a unifié tout satellite. Ça te dérange si je jette un coup d'œil aux pièces de duel moto que tu as achetées ? C'est pas joli tout ça. Ça a été volé volontairement. Ça a été fait volontairement. Ouf, j'ai du mal. Quoi ? Vraiment ? Oui, ça ressemble à un tas d'ordures rassemblées. Je ne leur pardonnerai jamais d'avoir vendu ce truc. Jay-Z, montre-nous où est le magasin, on va leur rendre une petite visite. Attends, c'est une équipe. Je te caillera. Ça devrait être là. Alors c'est toi l'escroc qui vend de la marchandise en toc. Kaline, de quoi tu parles ? Arrête de faire l'innocent, je sais que tu es coupable. Non ! Je pense qu'on ferait mieux d'attendre ici. Tu as reçu argent pour les pièces. On a récupéré ton argent, mais je ne vois pas de produit officiel là-dedans. Toutes ces pièces ont juste été assemblées sans réfléchir. Je doute qu'une seule fonctionne. Oui, mais tu as besoin de ces pièces, Jay-Z. Tu as dit que ton ami te les avait demandées ? Tu as le nom des pièces écrit quelque part ? Un mémo ? Je pense pouvoir t'aider. Tu as du temps ? Non. Alors, attends un instant. Je vais te préparer tout ça. Il est parti. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Yusei si plein d'énergie. Je sais qu'il a dit d'attendre, mais il n'y a pas grand-chose à faire ici. Oh non, un duel, je crois. Où est Jack ? Oh, tu veux le remercier ? Non. Le connaissant, il doit être au nouvel endroit du magasin de cartes. C'est au nord du bowling. Pan. On a combien de temps là ? Ah, on peut pas l'affronter. Zut, on a 18 minutes. Wow, qu'est-ce qu'on fait ? On sauvegarde. Ok. Tu as un point de sauvegarde non plus haut là-bas. Ah bah il est là en plus. Non, je le vois pas. On t'a pas vu. On t'a pas vu. Ah, tu me vois pas. On arrête l'épisode ou quoi ? Oui, je pense. Non. Okay. On peut un petit peu attendre. On peut papoter. Non, si on peut papoter avec lui. Attends, il n'y avait pas un... Non. En fait, je sais pas quoi faire. Du coup, ouais, je pense qu'on va terminer ici. Ça va, on a 19 minutes, ça va. Voilà. Le temps de finir. Hein. Voilà. Donc, ben, du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager si cet épisode vous a plu. Donc, ben, bye les gens. Et en attendant, bye ouais.